j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver. Je vais vous partager, vous montrer du coup la finalité de mon espace. Vous avez suivi mes péripéties dans les vlogs, dans les hauls, et aujourd'hui on va tout simplement du coup voilà, faire le tour. La pièce est enfin terminée, donc il y a eu des petites choses par-ci par-là qui ont été achetées un petit peu partout pour pouvoir vraiment créer l'univers que je voulais. Je m'y sens bien, c'est vraiment mon espace. On a fait du coup, j'avais fait une vidéo où je vous montrais vraiment voilà, le grand rangement et là c'est vraiment du coup la finalité. J'ai mis toutes mes petites décos, je m'y sens vraiment bien, donc du coup je suis heureuse de vous partager ça aujourd'hui. Je vais vous montrer tous les petits recoins, mes petits tiroirs, parce qu'il y a eu des petits aménagements aussi de fait. Donc voilà, c'est vraiment mon univers, ma petite pièce, mon petit coin à moi. Mon espace où je réfléchis, je m'y sens bien, je travaille aussi, vu que c'est aussi mon bureau, mon studio YouTube, ma pièce make-up, enfin voilà, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment, voilà, mon univers où je me sens bien et je suis vraiment contente de vous partager ça aujourd'hui. Donc on va faire le tour, je vais vous montrer tout ça, donc c'est parti. Pour vous resituer un petit peu les choses si vous n'aviez pas suivi, c'est tout simplement en fait notre chambre, hein, tout simplement. Et du coup on a fait une délimitation comme ça au niveau du rideau, pour pouvoir vraiment créer un espace. Je voulais vraiment avoir, voilà, mon petit espace. Donc on va commencer de dos pour que, voilà, vous puissiez voir un petit peu. Donc là j'ai pu dégager pas mal de place, ça fait aérer et du coup là vous avez du coup par exemple une petite pochette, enfin une petite chose que j'avais trouvée chez Noz, où en fait j'ai tout simplement toutes mes petites pochettes, voilà, les pochettes que vous m'avez envoyées aussi. Donc voilà, ça regroupe toutes mes petites pochettes, donc je le mets toujours dans ce petit... dans ce petit rangement là. Ensuite nous avons un petit meuble comme ceci où donc j'ai mis mon sac Lancôme que j'avais eu gratuitement dans une commande Mariono il y a très longtemps. Et en fait là dedans vous avez tout simplement tout ce qui est tote bag. Voilà, donc vous avez tous mes tote bags. Ensuite quand on arrive, donc on a quatre genres de petites colonnes de cubes en fait que j'avais acheté à la Farfouille à l'époque il me semble. Et là, du coup, on a toutes mes petites mignonneries, voilà. Donc, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des choses aussi que vous m'avez offertes. Là, on a des petites décos. Donc, j'ai voulu créer un petit peu des univers à chaque cube. Voilà, avec tout ce que j'ai comme petite mignonnerie, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, sur cet espace-ci, donc ça c'était un petit meuble, une petite étagère que j'avais acheté aussi à la Farfouille. Ils font parfois de très belles offres, donc voilà, ça peut être assez sympa. Donc j'ai répertorié toutes mes brumes ici. Donc on a des brumes de chez Action, de chez Noz, hein, les brumes que vous m'avez offertes aussi. Voilà, une petite brume de chez Sephora. Ensuite, petite étagère spéciale miniature de parfum. J'en avais quelques-unes que j'avais eues gratuitement, hein. Et le reste c'est voilà, c'est ce qu'on m'a offert. Donc du coup je les ai mises là, voilà. Il y a un peu de tout. Il y a du Kenzo, du Lancôme, on a voilà, un petit peu de tout, du Guerlain. J'adore. Et merci encore énormément pour tous les petits cadeaux que vous m'avez fait. Ensuite, en dessous, c'est tous mes parfums. Voilà, c'est pareil, il y a du Action, du Noz. Le seul parfum de marque que j'ai, c'est celui-ci que j'ai depuis un petit moment, que je le mets pas du tout. C'est vrai que moi, je préfère toujours mettre les brumes, en fait, tout simplement. Voilà. Ici, donc en fait, c'est un petit meuble. C'est pareil, je l'avais acheté chez Jiffy, il me semble. Donc, dans le premier tiroir, on a tous les échantillons gratuits donc, que j'ai reçus et que vous m'avez envoyés. Voilà un petit peu, donc il y en a pas mal, il y en a pas mal. Ici du coup j'ai regroupé et j'ai mis des petits, parce que du coup j'en avais en double, donc j'ai mis des petits élastiques quand j'avais en double. Ici voilà, on a un petit peu de tout. J'adore les échantillons, ça c'est vrai. Je suis tombée dedans il y a quelques temps et c'est vrai que maintenant je ne peux plus m'en passer. Donc bah, ça en fait quand même pas mal, hein. Le deuxième tiroir, c'est un peu de fouillis, j'ai pas eu le temps encore de ranger. Et le dernier, du coup, voilà la petite nouveauté. En fait, on avait, comme vous savez, mon chéri bricole. Et en fait, on avait démonté un meuble voilà, qui tenait plus. Et en fait, il restait des petites planchettes. Donc, il m'a tout simplement, en fait, coupé les planches à la bonne dimension. Et en fait, ça me fait des séparateurs. Voilà. Donc, pour rien du tout. Et c'est plutôt cool. Donc là, on a tout ce qui est crème pour les mains. Voilà. Donc, j'ai tout mon stock de crème pour les mains. Ici, c'est tout ce qui est stock de baume à lèvres. Voilà. Donc, on a un peu de tout, hein, franchement. Ici, c'est tout ce qui est bougie. Donc, c'est les Yankee Candle qui me restent. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est gel hydroalcoolique ou gel nettoyant pour les mains, en fait, tout simplement. On a du Merci Handy, on a du Action, on a un peu de tout. Donc, voilà pour cette partie-là. Hyper pratique, ces petits séparateurs qui coûtent rien. Ici, donc, j'ai remis mon miroir, tout simplement, que j'avais acheté chez Action il y a un bon petit moment. J'ai mis des petites choses comme ça. Et la petite nouveauté, du coup, c'est la petite guirlande avec vos cartes que vous m'avez envoyées. Voilà, comme ça, ça me fait une déco. Et en plus, voilà, je pense à vous. Je pense à vous tout le temps, en fait. Voilà, vous faites partie de ma vie, vous faites partie de mon univers. Et c'était juste logique que vous soyez près de moi, comme ça. Donc là, c'est toutes les cartes. Tous les petits mots ont été aussi mis de côté, vous inquiétez pas, hein. C'est pas parce que vous m'avez envoyé qu'un petit mot que ça a été jeté. Non, non, non. Je garde tout précieusement près de moi. Et là, du coup, je voulais vous faire un petit clin d'œil. Donc, j'ai fait une petite déco spéciale avec vos petites cartes. Voilà pour ça. Et ensuite, du coup, on a le miroir. Donc, le rideau, pardon. Donc, vous avez mes deux loupiottes, hein, comme ceci. Et ici, du coup, vous avez mon espace coiffeuse, bureau, studio YouTube, du coup. Donc... Alors, on va commencer par cet espace-ci. Donc ici, vous avez... donc ça, c'était un petit bracelet que j'avais acheté à Noz, je crois. Vous avez tout ce qui est un petit peu les produits que j'utilise, en fait. Vous avez les crayons. Ici, vous avez les crayons pour les lèvres. Après, j'en utilise pas beaucoup, mais j'ai par exemple aussi mes Maybelline que je mets en rouge à lèvres, en fait. Là, vous avez du coup mon petit soin pour les ongles. Vous avez aussi les petites choses que vous m'avez offertes. Hein. Ici, c'est un peu rouge à lèvres. Là, vous avez les baumes à lèvres que j'utilise et mon gommage du coup de chez Action pour les lèvres, hein, qui est en cours. Ici, on a tous mes plus beaux rouges à lèvres que j'aime bien, en fait, tout simplement. Ensuite ici, donc ça c'est une caisse à vin, en fait, parce qu'on aime bien récupérer, vous savez qu'on aime bien récupérer du bois, des choses comme ça, et du coup ça permet de faire des petites choses avec, et du coup c'était une petite caisse à vin qu'on avait récupérée il y a un petit moment déjà, parce qu'on l'avait déjà dans l'ancien appartement, et moi du coup j'ai fait ça pour ranger mes pinceaux qui sont un peu à l'abri, en fait, tout simplement de la poussière. Donc ici on a tout ce qui est goupillon. Celui-ci est à l'envers. On a ciseaux pour les sourcils, rasoir, voilà. Ensuite, dans le gros, alors les pots viennent soit de chez Action, soit de chez Noz. Celui-ci, je crois que c'est Jiffy. Non, Centre Accord, voilà. Donc ici, on a tous mes gros pinceaux, en fait. Donc, comme vous savez, j'ai fait pas mal de tri. En même temps, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 pinceaux. J'utilise à peu près toujours les mêmes. Donc voilà, ici on a les pinceaux un peu plus fins du coup, donc on a majoritairement, j'ai ceux de chez Lidl, après c'est pareil, hein, ça vient de chez Noz, Action, et là du coup c'est mes pinceaux pour les yeux, donc c'est pareil, il y a une collection de chez Morphe que j'avais acheté il y a un petit moment, sinon c'est pareil, c'est du Action, du Nocibé, du Noz, du Shein, voilà, un petit peu partout. Donc voilà, comme ça, je range mes pinceaux. Ils sont à l'abri et en même temps, ils sont tous au même endroit. Donc ça, c'est très pratique pour moi. Ici, donc, nous avons un petit miroir de chez Nocibé que j'avais acheté. Ma petite éponge que j'aime beaucoup. Le reste de mes rouges à lèvres, donc je les ai mis dessus. Donc, vous voyez, les petits strass, du coup, je les ai collés. Bon, je suis un peu nulle hein, parce que j'ai même pas réussi à mettre les bonnes longueurs dessus. Mais bon, comme vous savez, je suis pas très, très douée en déco. Donc ici nous avons les gloss mat, ou les liquides mat. Ensuite ici, alors à une main c'est pas très pratique, ça c'était des petits rangements que j'avais trouvé à Lidl. Donc là, c'est pareil, c'est les gloss pailletés. Et ensuite, c'est les derniers rouges à lèvres, du coup, qui me restent. Après, je suis pas très, très rouge à lèvres. C'est surtout pour les vidéos que j'essaye d'en mettre un petit peu. Pour, voilà, pour faire un rajout dans le make-up. Ici, nous avons mes petites toupettes. En tout cas, celles que j'utilise régulièrement. Là, vous avez du coup des embouts mousse qui parfois me servent. Et ici, on a tout ce qui est accessoire un petit peu. Donc, voilà. Que je ne fasse pas tout tomber. Ici, on a un... Donc, on a moi. On a un petit sambon de chez Action qui sent strictement rien. Hein. De toute façon, c'est pas une grande nouvelle. Une petite décoration œil que j'avais trouvée au rayon Noël à Jiffy, il me semble. Une petite boîte de chez Nose. Et en fait, j'ai mis mon miroir dessus parce que dedans, du coup, je mets mes lingettes. Voilà, je mets quelques petits trucs. Et ça me permet aussi de rehausser mon miroir, du coup. Donc ça, c'est un miroir de chez Action hein, que j'ai acheté il y a longtemps. Au niveau de la luminosité, voilà, on peut l'allumer et tout. Mais franchement... il n'allume pas grand chose, on va dire. Là, j'ai mis du coup 2 sets de table. Parce que comme c'est du blanc, ça se salit vite. Donc du coup, j'essaye de protéger un petit peu. Mais bon. Donc j'ai acheté 2 sets de table comme ça. À la farfouille, je crois. Là, c'était un petit pot que j'avais trouvé chez Nose. Donc j'ai mis mes cotons-tiges. Ici, c'est un petit plateau que j'avais trouvé chez Action. Et vous avez tous mes sprays fixateurs. Alors, si vous voyez qu'il manque du maquillage, c'est parce que, du coup, comme j'ai des vidéos que j'ai à faire, j'ai enlevé... voilà, j'ai déjà préparé dans mes petites panières pour faire les vidéos. Ici, du coup, c'est encore un sambon de chez Action qui sent rien. Ici, donc ça, c'était une tasse que j'avais achetée, je ne sais plus. Donc ça, c'est une tasse, hein, à la base. Voilà. Donc ça, c'est mes petits stylos de chez Nose. De toute façon, il y a un peu de tout, hein, vous le savez. Il y a du Action, du Nose. Enfin, voilà, c'est les stylos que j'utilise, du coup, pour écrire. Ici, on est sur la partie, du coup, bureau. Ça, c'est un petit rangement que j'avais trouvé, du coup, chez Jiffy. À la base, ça devait me servir pour mes palettes. Puis, comme j'ai tout remodifié, du coup, ça me sert pour mettre mes petits... Mes petits calepins, là, voilà, j'adore les petits porte-clés comme ça, donc là j'ai mis un petit porte-clés. Ici c'est un petit rangement de chez Action que j'ai acheté il y a un petit moment avec des petites décos de chez Shein. Donc là on a tout ce qui est post-it, gomme, voilà, tout ce qui est pour la bureautique, hein, tout simplement. Pareil avec un petit... ce porte-clés là je crois que j'ai trouvé chez Action. Ma plume en stylo que j'ai trouvé chez Nose, le calepin que vous m'avez offert, mes lunettes anti-lumière bleue de chez Shein. Ici, vous avez mon petit PC et du coup, vous avez les tiroirs. Donc, dans ces tiroirs-là, il y a tout ce qui est paillettes, choses comme ça. Donc là, il n'y a rien de spécial. Ici, nous avons dans ce premier tiroir, donc c'est des demi-commodes qui viennent de chez But. Hein. Moi, j'ai pas du tout de Ikea vers chez moi. Donc, il n'y a rien qui vient de chez Ikea et les planches, elles viennent de chez Bricomarché. Voilà, donc ça peut être une alternative si vous n'avez pas de Ikea chez vous. Sachez que vous pouvez faire des meubles autrement qu'avec Ikea. Donc là, c'est tout ce qui est bandeau, serre-tête, accessoires, voilà, les petits froufrous. Après, je les aime bien ces choses-là, mais le problème, c'est que ça ne me tient pas trop à la tête. Donc, c'est voilà, pour ça que je n'en mets pas beaucoup. Mais au printemps et tout, je vais essayer de les remettre. Voilà. Celui-ci, vous avez tout ce qui est pour les cheveux, c'est pareil. Bon, vous avez des barrettes, mais pour l'instant, comme je me suis coupé les cheveux, ça ne me sert pas beaucoup. Donc voilà, c'est des trucs que j'achète chez Nose, puis autres, hein, de toute façon. Là, vous avez du coup des chouchous. Ici, ça c'était un rangement de chez Action qui était pour la cuisine et du coup, il me sert pas mal pour ce que j'en ai besoin. Donc là, j'ai mis des petits chouchous comme ça, petits élastiques. Ici, vous avez mes petites barrettes fleurs que j'avais trouvées donc chez Nose. Ici, donc c'est toutes des petites barrettes un peu plus grosses comme ça du coup chez Action. Là, vous avez des petites barrettes un peu plus petites. Et du coup, le reste des barrettes. Donc, j'ai essayé de compartimenter. Comme ça, quand je cherche, c'est plus pratique pour moi. Dans ce tiroir-ci, vous avez tout ce qui est un petit peu backup. Donc, vous avez tout ce qui est lingettes, coton-tige, accessoires. Là, vous avez tout ce qui est rasoir et lime à ongles. Ensuite, donc, ici, c'est vraiment, du coup, les deux rangements maquillage, en fait. Tout simplement, vu qu'on est sur la partie, du coup, beauté. J'ai essayé d'organiser. Bon, après, je suis une fada de l'organisation, hein. Mais, voilà, d'organiser un peu bureau et puis, bah, make-up, tout simplement. Donc, dans ce tiroir-ci, nous avons... Donc, ici, nous avons tout ce qui est... fond de teint. C'était une boîte que j'avais trouvée chez Noz. Normalement il y avait un petit couvercle, et en fait j'ai trouvé ça hyper pratique de mettre ça, parce que du coup mes fonds de teint ils restent debout comme ça, et en plus au niveau du tiroir ça passe. Donc franchement je le garde, celui-là, pour les fonds de teint. Ici donc après les rangements ça vient d'un peu partout, hein. Action, Jiffy, les boîtes, des anciennes boîtes, enfin voilà, il y a un peu de tout. Là vous avez du coup mes mascaras. Vous avez ici tous mes crayons pour les yeux, donc exclusivement du Action, hein, de toute façon. Ensuite, vous avez highlighter, vu que j'utilise vraiment pas beaucoup d'highlighter, donc c'est ici. Là, c'est deux fonds de teint poudre, voilà, donc il faut que je les teste. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est base. Là, vous avez tout ce qui est anti-cerne, crayon du coup pour les yeux, et puis gel. Mais je suis un peu moins gel. Pendant un temps, j'utilisais que ces petites choses-là, du mascara à sourcils en fait. Et puis là, je suis revenue un peu au crayon. Donc ça dépend un peu voilà, de mon humeur. Voilà. Ensuite, ce tiroir-ci, vous avez donc mon chéri Army aussi. On a refait des rangements comme ça. Parce que j'avais acheté des séparateurs sur Chine. Mais en fait, j'en ai pas acheté assez, donc je vais pas me ruiner avec ça. Donc on a tout simplement mis, bah pareil, hein, on a tout simplement recyclé en fait des bouts d'étagères qu'on avait, et on les a coupés pareil à la même dimension. Comment ça s'appelle? Le petit truc antidérapant, ça vient de chez Action, ça c'est hyper pratique, donc ça se vend en rouleau et après vous coupez, donc ça évite que tout tombe à chaque fois. Donc là on a l'espace du coup poudre. Donc on a les poudres de chez Action, on a la poudre de chez que j'avais trouvée chez Noz. Après il y a vos petits cadeaux, ça c'est du Noz, ça c'est du Notino, ça c'est du Modelite, ça c'est Catrice. Ici donc c'est tout ce qui est contour, bronzer, un peu plus contour, encore une fois je préfère toujours ce qui est un peu froid. Donc on a Yves Rocher, on a Catrice, on a Essence, Marc Jacob, W7, la palette que j'utilise de chez Slick, Lovely. Du coup j'ai rajouté aussi, comme j'avais la place, mes petites palettes du coup... bah, contouring, choses comme ça. Ici on a tout ce qui est blush, donc on a un blush de Make Up Revolution, un autre de Make Up Revolution, Beauty B, MB, Essence, ça on me l'a offert, ça vous m'avez offert, Joselle, ma palette du coup Shiglam que j'aime beaucoup, et derrière du coup c'est le reste de mes palettes. Bon bah il n'y a plus grand chose, hein, parce que j'ai quand même pas mal vendu, je me suis séparée de pas mal de choses, donc forcément. Et dans ce tiroir là du coup c'est tout ce qui est éponge, houppette, choses comme ça, serviettes microfibres, voilà, petites éponges comme ça. Là c'est mes pinceaux double embout que je mets dedans parce que je m'en sers pas, et voilà. Ensuite, donc dans ces trois tiroirs-là, donc là c'est vraiment que l'espace, je vais m'asseoir en même temps, que l'espace du coup palette, donc tout ce qui est pour les yeux. Donc ici nous avons plus de vide, hein. Forcément j'ai fait pas mal de tri encore une fois. Donc nous avons toutes les petites palettes, donc là c'est vraiment tout ce qui est petites palettes, hein, et fard mono ou liquide eyeshadow en fait. Donc on a un peu de tout, hein. De toute façon si vous me suivez vous connaissez déjà un petit peu. On a du Shiglam, du Sephora, du Make Up Revolution, du Bourjois, du Nocibé, du Kiko que j'ai trouvé chez Noz, du Colourpop, une palette de chez Essence que j'utilise pas mais elle est tellement belle, c'est une de mes premières palettes que j'avais achetée sur la chaîne, donc je la garde. du Primark, hein, du Action, du dupe sur AliExpress. Ça c'est pareil, c'est une petite palette que j'ai achetée sur AliExpress, il faudrait que je la teste, je la connais mais j'ai pas encore testé. Essence, et ça du coup Dior et Clarins au petit cadeau, Natasha Denona. Ma palette Colourpop que j'avais reçue à l'époque du coup avec mon fard cassé que j'ai toujours pas testé. Max & More, et puis après derrière c'est pareil, hein. Donc c'est tout ce qui est un peu... voilà. Donc voilà, celui-ci, donc c'est les palettes un peu plus moyennes on va dire, donc c'est pareil, hein, j'ai fait pas mal de tri. Donc on a la palette Ananas de Action, on a la BH Cosmétique, hein, on a les deux de chez Colourpop, hein, les deux comme ça de chez Beauty Bay, on a la W7, hein, la Sultry, la Nocibé. Après c'est du Action, Makeup Revolution, Morphe et les deux qui me restent de chez Action. Et dans le dernier tiroir, c'est les grandes palettes ou les palettes où je sais, j'arrive pas trop à mettre. Voilà, je les ai mises là, donc c'est les quatre comme ça. Et voilà du coup pour les tiroirs. Ensuite, donc ici, parce que c'est un peu aussi, c'était un petit peu aussi l'handicap qu'il y avait pour ce coin-là, c'est que le mur est mansardé du coup, donc j'ai mis un petit mandala comme ça en stickers que j'ai trouvé chez Shein. Et du coup ici j'ai fait une petite, parce que je regardais sur Pinterest un petit peu et c'est vrai que ça se fait beaucoup. Donc on a tout simplement mis une guirlande lumineuse comme ça et comme vous le savez j'ai rajouté du coup des petites enveloppes que j'avais trouvées chez Noz avec, voilà, j'ai rajouté des petites choses en plus. Un petit stickers qui vient de La Farfouille. Ça c'est mon petit cadre rose du coup que j'avais fait moi-même. Voilà. Et mes plumes du coup en stickers qui viennent de chez Shein. Donc ça fait vraiment voilà, l'effet que je voulais. Et du coup là vous avez mon espace imprimante. Et dans ces deux bacs de rangement là à 3 tiroirs, j'ai rangé en fait tout ce qui était... bon, je vais vous montrer en même temps. Tout ce qui était du coup... donc là on a par exemple tout ce qui est enveloppe, là on a tout ce qui est du coup un peu déco, choses comme ça. Là c'est le coin un peu papeterie en fait. Et là on a, ah, c'est bloqué. On a tout ce qui est du coup stickers, choses comme ça. Voilà. Donc là c'est le coin un peu papeterie et du coup ça me permet de mettre mon imprimante en plus ici. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je vous ai du coup fait le tour du propriétaire. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai rajouté une planche comme ça ici en fait. Parce que comme on est en fond, du coup je voulais voilà, que ça fasse un peu plus propre comme ça. Et je trouve que c'est mieux. Voilà. Il va y avoir encore quelques petites modifs. Mais voilà, ça sera au fur et à mesure de l'année. Je pense surtout à mon tapis de souris. Voilà, des petites broutilles comme ça. Mais dans l'ensemble c'est vraiment voilà, mon univers, ce que j'aime. Et je m'y sens bien, donc c'est le principal. Voilà ce qu'il en est du petit room tour. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Ça vous aura peut-être aussi donné des idées de niveau déco, niveau emplacement, niveau rangement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.